easy go. Les gars, bah on est un peu sur YouTube là, on se balade. Et puis j'ai trouvé ça. Je me suis dit, ce serait bien. Alors, je sais pas c'est quoi votre déguisement d'Halloween. Moi, je vais sortir en robot, tu vois ce que je veux dire, ça sera bien. Un robot qui essaie de passer inaperçu parce qu'il s'est rasé, derrière il a cru qu'on verra pas que c'est un robot. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, on va voir les pires déguisements d'Halloween. Ouais. J'ai pété, c'était magnifique. Notez ce P sur 10, j'ai envie de voir votre note. Alors, selon Topito, top 10 des déguisements d'Halloween, les plus trash, ceux qui vont un peu trop loin. Le clown maléfique. Alors, vraiment, il est éclaté. Hein. J'ai peur des clowns, mais je trouve pas si. Ah, si, quand même. Ah ouais, ça c'est pas un masque en plus, je crois. C'est un maquillage, genre t'es là, il a même un chapeau qui est collé comme ça. Ah, j'avoue, il est dégueulasse, Hadda. Astaghfirullah, Hadda, je l'invite pas chez moi, Hadda. Là, jamais je veux pas. Hein. Même si mon anniversaire c'est le jour d'Halloween, tu restes dehors, frère. C'est quoi ces conneries là? Oogie Boogie est littéralement un sac d'insectes grouillant, un peu flippant, sorti tout droit de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors là, vraiment, on dirait plus un sac à merde qu'un sac d'insectes, frère. C'est vraiment nul. J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. C'est vraiment éclaté, je suis désolé. Les jumelles maléfiques. Allez, bouge ta race. C'est rien d'original ça. Edward aux mains d'argent. Ah, what the fuck, man? Il a quoi? Des cintres et des lames? What the hell is this? Qu'est-ce qu'il a, frère? On dirait un Wolverine version Lidl, frère. Madame Squelette, machin, elle est très charmante. Bon, en tout cas, ça peut excuser le fait qu'il n'ait pas de forme. Hashtag, je suis un bâtard. On peut le mettre dans les commentaires, hashtag je suis un bâtard. Je déconne les filles, c'est pas bien de juger les formes des gens, etc. Tu vois ce que je veux dire, en plus la dame elle a pas de problème au niveau ça, enfin bref, c'est... On va pas parler d'énigmes d'une meuf sur une... Non, arrête, c'est trop fort. Oh, oui, c'est... Oh my god. Ok, je veux bien comprendre le côté artiste, mais là c'est du terrorisme visuel là. Des fois c'est pas si mal d'être aveugle. À ce qui paraît en plus, genre si ton bébé il reste plus de 9 mois dans ton corps, et il peut sortir comme ça, par force, tu vois, il va te dire ouais j'ai envie de sortir, brac, voilà ce qui arrive, ça va faire stresser toutes les femmes enceintes du monde. Non non non. Le prêtre accompagné. Ouah, c'est sale. Je te jure c'est trop sale. Je te jure c'est trop sale. Il y a un enfant, un mec qui est accroché à ça, à sa zigounette, frère. Mauvais goût total et assumé pour un prêtre qui ne manquera pas d'effrayer des enfants. Après tout, c'est le but. Mais là, c'est même pas effrayé. Je dis, il y a viol buccal. Human centipede. Oh, tout. C'est dégueulasse. Bah ça c'est des mannequins heureusement, tu vois, c'est pas des vraies personnes qui se mettent en vrai. Je sais pas si vous connaissez Human Centipede, c'est un film où de base je crois c'est une expérience, je sais pas quoi, où c'est un gars je crois, il a cousu du coup la bouche de plusieurs personnes, alors hachèque les trous de derrière là où tu fais caca, et en gros bah ça fait un centipède, voilà, des gens qui s'enchaînent comme ça de bouche, fesse, bouche, fesse, bouche, fesse. Bah y'a que la dernière personne qui a de la chance de pas être cousu à... Bref. Ah mmh. En fait, je viens d'imaginer le truc. Genre, en gros, la première personne, elle mange un truc. Elle va chier dans la bouche de la deuxième personne. La deuxième personne, elle va digérer la merde. Et après, elle va chier la merde digérée à l'autre personne. Enfin, non. Elle va sûrement vomir, la deuxième personne, dans le système digestif de la première. Ça va remonter là. Ah Oh merde, je vais faire des cauchemars pendant longtemps à cause de ça. Ouais. Voilà, je sais pas si je peux vous montrer ça. Ah non, mais en gros, il y a des zigounettes partout, tu vois. Il y a vraiment des zigounettes partout. C'est des mauvais goûts. Voilà, c'est... aussi appelé du gland. Topito, ils veulent faire interdire ma vidéo en 18 ans, non? C'est quoi? C'est comment ça se passe? Costume d'accouchement. Allez, bouge ta race. Voilà, c'est dégueulasse. Alors ça, pour d'humour de mauvais goût, t'as raté ton éducation, frère, si tu laisses ton gosse s'habiller comme ça. Voilà, même pour Halloween, ça excuse pas, frère. Voilà, tu alimentes des clichés, sale bâtard. J'ai envie de niquer mon micro, frère, mais coûte trop cher. Ça en vaut pas la peine. Hashtag, j'aurais bien niqué mon micro, mais ça en vaut pas la peine. Ouais, bah oui, il faut être dans la tendance. Les gens, ils aiment bien parler hashtag. 18 costumes d'Halloween horribles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que c'est que cette merde, mais là... Il y a de la merde derrière et de la pisse devant. Toi, elle est con. À un moment donné, la créativité, ça devient de la créativité. Khala, c'est la merde en arabe. Grand-maman clown, pas tout à fait dans son personnage. Ah, j'avais pas vu la grand-mère, elle est moche. Hashtag prenez soin de vos grand-mères quand même. Mes frères, mais c'est n'importe quoi. Là, t'as juste un. Là, je te tamponne pour que tu ailles à la poubelle. Il y a des gens, le jour d'Halloween, tu les prends.
Tu les mets à la poubelle, frère. Ouais, je préfère même les meufs qui prennent ça comme excuse pour se mettre à poil presque en mode. Et mettre genre un bout de tissu là, un bout de tissu là, et c'est bon. Ah, c'est Halloween, c'est la folie. Non. Tu veux te mettre à poil, va chez toi te mettre à poil. Bon, Starfall, là, je sais que là, je peux attirer la colère des féministes en mode. Ouais, c'est la liberté, on peut s'habiller comme on veut. Ouais, mais moi aussi, j'ai la liberté de voir, de ne pas voir ce que je veux. Le problème, c'est quand tu vois un truc, tu ne peux pas le dévoir. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est vu, c'est vu. Mais j'avoue, parce que genre, c'est pas logique. Parce que genre, j'avoue, quand tu vois une belle femme, genre, même si elle est un peu nue, tu dis bon, Starfall, elle est belle, mais ça se fait pas, tu vois, c'est haram quand je peux pas. Mais quand même! Bébé en plan de cannabis, toujours mieux qu'en mégot de cigarette. Voilà, c'est pas drôle. Voilà, c'est pas drôle. Tu habites ton bébé en cigarette. Et Zerna, tu vas me dire déjà ton bébé comprend le concept d'Halloween. En fait, c'est ça les parents. Les parents, ils font entrer leur bébé dans des bails comme ça. Je te jure, le bébé, tu vas lui montrer ça plus tard quand il va grandir. Papa, je te fais un procès parce que là, c'est humiliation sur la voie publique, vraiment. Bon, après, il est mignon, quoi. Je le fumerai bien. Non, c'est un bébé comme. Non, mais je veux dire, non. Après, ça va mal interpréter, ça va dire, oh, le mec, il est pédophile. Non. Vous avez l'esprit tendu un peu, hein, c'est abusé. Hashtag, vous êtes un peu, hein. Mammographie, mesdames, il espère peut-être trouver quelqu'un déguisé en tout chéri. Ah, c'est très drôle. J'aimerais pour que les femmes, tu vois, elles viennent et mettent leur nichon au niveau où là où il y a les entrées, j'aimerais. Tac, et puis après, ah, c'est franchement très drôle. Franchement, voilà, bravo. Toi, tapis rouge pour l'enfer. Tu vois ce que je veux dire, tapis rouge. Avec sa gueule, ça va, c'est un pervers. Le pire, c'est qu'on rigole, mais il y a vraiment des meufs qui ont fait ça, ça se trouve. Le prix à payer pour vos péchés est la mort. Et la mort. What? Oh, c'est ça qui est écrit? Oh, c'est un fou. Regarde, c'est ça le genre de truc que je veux te dire. Ça se trouve, les filles, elles savent pas ce qui est écrit. Enfin, si, peut-être. Genre, elles sont un peu âgées quand même, elles ont peut-être 7, 8 ans, tu vois, donc elles doivent savoir. Et c'est ça qui fait peur. En vérité, là, j'avoue, ça fait un petit peu peur quand même. Et du coup, c'est qui s'occupe de tuer Zerma? C'est le mec qui va tuer ou bien c'est. Moi, je pense que c'est les deux. Parce que la meuf à gauche, je crois, elle a un couteau. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais on dirait un couteau, ça fait un peu peur. Tout peut devenir sexy, même le fast food. Ah non, pas du tout. Hein. Voilà, pas du tout. C'est éclaté. Hein. C'est éclaté. Les meufs qui s'habillent en tacos, voilà, vous méritez. Un strikos. Mais t'es un strikos. C'est pas drôle, mais bon, ça me fait rire un peu, quoi. Ah, il est dégueulasse. Ah, franchement, j'ai envie de croquer dans son nez, là. Voilà, il est dodu de ouf, tu vois ce que je veux dire. Mais les yeux, voilà, ils font trop peur. Oh, il arrive à voir là-dedans, non? Non? Bah oui, il y a un trou, là. Il est... Ah, dégueulasse, voilà, c'est dégueulasse. Ça, c'est l'iPhone 2, je crois, ou un truc comme ça. En fait, je crois le pire, c'est... Tu vois, les cheveux? Les cheveux, je crois, c'est des pattes d'araignée d'Halloween, tu vois ce que je veux dire? Les petites araignées qui se vendent. Tu vois, j'ai trop l'impression qu'il a coupé deux pattes, mais ça qu'elle. Voilà la pauvre araignée qui s'est fait estropier deux pattes. Enfin, c'est... Ils lui ont enlevé deux pattes, frère. Pour les convertir en cheveux de Simpsons, là. Voilà, respectez les araignées comme un hashtag. J'aime pas trop les araignées de base, mais faut pas leur faire du mal. Le tampon et lui ou elle sont faits pour s'entendre. Ah non, mais arrêtez avec bail de tampon, Starfall et tous les. Non, mais ouais. En plus, Zerma, il boit du coca. Et lui-même, il boit du sang qui est de la monstrueuse. Ah, vous êtes gros dans votre. Tête, ça. Regarde, c'est censé être effrayant. C'est pas censé être dégoûtant. Enfin, tu peux être dégoûtant, mais là c'est juste sale en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Tu peux pas faire comme les gens. Habite-toi en citrouille. Habite-toi en Frankenstein. Habite-toi en. Même en Catwoman, ouais, c'est bien. Habite-toi en Batman. Habite-toi en un truc bien, tu vois ce que je veux dire. Les mecs, ils ont transformé Batman en Beatman. Wonder Woman en tampon woman, là, c'est quoi ce dé. Man, d'ailleurs, c'est un mec, ça. Bref, voilà. En plus, c'est un mec, voilà, c'est n'importe quoi. Je capte pas les délires. Genre, le mec, il dit, hey, je suis au tampon, les mecs. Non, c'est pas drôle. Il y a des trucs à bannir dans la vie, et ça en fait partie. Mais Starfulla. Voilà, on dirait une tomate géante, lui. Une tomate géante et à poil, tu vois. Oh, c'est dégueulasse, hein. C'est vraiment dégueulasse. Le pire, c'est que ces gens-là, ils vont veiller toute la nuit, tu vois. Et à mon avis, ils vont rentrer chez eux éclatés, bien bourrés. Il va dormir comme ça dans son lit. Tu crois vraiment qu'il va avoir le temps d'enlever tout la peinture ou je sais pas quoi là? Son lit va être rouge, frère. C'est affreux. Avec la sueur et tout, encore des poils avec du rouge dessus. Des enfants poubelles, vraiment. Oh, là, c'est dégueulasse. Les mecs, ils leur ont mis de la merde sur la. Oh, là, les parents. C'est eux qui doivent aller à la poubelle. Là, je suis sérieux. Là, il y a vraiment. Là, il y a problème. Hashtag tombe, le mec, on a la tour. Ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve de voir des gosses entraînés dans des trucs comme ça, là. Tu vois ce que je veux dire? Putain, en plus, ils ont l'air contents. Oh là, ça se trouve, ils sont contents. Mais voilà, faut pas abuser quand même. Il y a d'autres moyens d'être contents dans la vie. Et les enfants, tu leur achètes une barbe à papa, ils sont très contents déjà. T'as pas besoin de les mettre en sac poubelle. Tu vois ce que ça, c'est juste humiliant. Mais bon, c'est l'amusement, la rigolade, zébé, je sais pas quoi. Ce que tu veux, c'est pas grave. Là, je fais le rabat-joie tout à l'heure, mais en même temps, qu'est-ce que je suis censé faire d'autre? Je croyais vraiment que j'allais dire, oh, j'avoue, c'était une très bonne idée. Franchement, c'est exquis, sire. Non! Un couple de licornes qui nous désenchante un peu.
Il va capter en fait. Ah, Zara, lui, il est en centaure. Enfin, tu vois, là, il y a les pattes du gars derrière et la meuf en licorne. Voilà, ils sont éclatés. Je suis désolé, ils sont éclatés en fait. Tu vois, genre, ouais, on dirait un vrai Super Mario qui s'est paumé quelque part avec Peach du Lidl aussi, tu vois, en licorne. Non, c'est bizarre. Mais après, je trouve que c'est les plus clean de tout ce qu'on a vu. Franchement, je préfère largement ça. Parce que je préfère ça, tu vois, qui est un peu éclaté. Plutôt que genre dégoûtant tout à l'heure, tu vois. Là c'est bien. Là, franchement, là, je suis d'accord. C'est propre. Je les invite chez moi sans problème. Mais l'autre, là, le centaure, du coup, l'autre partie de blanc. Parce que comment il va s'asseoir sinon, tu vois. Ah bah, il va avoir mal. T'avais qu'à pas être centaure, frère. Hein. Ce n'est pas moi qui est en centaure. Je suis centaure. C'est toi qui es en tort, t'as compris. Enfin, toi, t'es centaure. Mais du coup, non, il n'est pas centaure. Il est en tort, t'as compris. Cette blague relou. Celle-là, elle est pas mal. Voilà, elle est pas mal du tout. En fait, c'est écrit frotte ici, en fait. Ça, c'est sale, mais c'est marrant, tu vois. C'est vraiment sale, mais marrant. Parce que ça peut passer dans des familles, tu vois. Genre, tu vas dans un truc costumé avec des familles, et il y a des gens qui vont pas comprendre. Il y a vraiment le pire, les enfants, ils vont dire « Ah, c'est mignon !» Non, c'est sale. C'est sale. Mais, c'est marrant. Ça... On espère que les parents auront de meilleures idées la prochaine fois. Voilà, il a habillé sa fille en toilette. Attendez, les gars. Je vais faire un petit truc. Bloc. Mais je vous remets. Voilà, franchement, il y a une place en enfer réservée pour vous, spécialement, je pense. Hein. Non, mais là, franchement, on arrête les conneries. Il y a littéralement des gens qui sont assis sur ta fille pour chier, tu vois. Vraiment, vraiment, vraiment. Franchement, les droits de l'homme ont été bafoués, là. C'est tout à fait... C'est incroyable. Alors que c'est les parents qui doivent être bafoués. Pardon. S'il vous plaît, le jour d'Halloween, ne vous habillez pas comme ça, tu vois. Là, c'est exactement l'exemple à suivre. Hein. On a vu des choses qui sont assez... Voilà, je vais devoir me laver l'œil pendant longtemps. Ah, la vérité. Alors, j'aurais pu vous en montrer d'autres, hein, mais... Non, on a vu assez d'horreur. Du coup, moi, je vous dis, prenez soin de vous et à très vite. Bon. Bah, si tu nous quittes, on va sur Roblox. On va jouer à un petit jeu. Alors, il y a quelques-uns. Ils doivent bien aimer le jeu. Il y en a quelques autres qui ne doivent pas l'aimer. C'est juste si je mets ça. Attendez, je vous mets un truc. Roblox. C'est bon. Voilà. Ah oui, mais en fait... En fait, moi... Bon, on est les gars. Ah, c'est bon? C'est alors. Alors, attendez. C'est lui! Alors attendez les gars, je vais voir pour ma vidéo si bah, tout va bien. Ma chupinette. Ma bébé sur le dos. Alors, j'ai jamais joué. Alors, table de score. Hop, alors. Petite playlist. Ah, elle est mise. Alors, Jacqueline, la voiture. Right.
Allez, attendez, je vais mettre dedans. Parti. J'ai gagné que 8 euros. Regardez, c'est 8 euros que j'ai gagné. Oh, je suis... Regarde, je pourrais m'acheter. Attendez, on va essayer de couper la mine. Wesh. Vas-y. Prends un coup, je sais pas. C'est quoi? On va gagner quoi? Pourquoi on gagne de l'argent? Oh, c'est quoi? Dis bonjour aux abonnés. Salut tout le monde. Je sais pas, j'ai voulu oublier, j'aime bien. Oh, j'ai plus loin.